Salut guys, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour partie 2 de notre série de nous qui rénovent notre appartement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, babe? On va peinturer ce mur ici. En ce moment, on est dans notre chambre parce que c'est pas tant clair, là. On a vu une... En tout cas, c'est... c'est ça, c'est une trend parce qu'on avait vu ça sur Internet pour trouver ça fucking bon. T'es là, on va être original. On va faire notre mur en lime wash, que ça s'appelle. C'est ça, ouais. On arrive au magasin pour genre s'informer sur les peintures. Puis t'es comme, oh ouais, tout le monde fait ça maintenant. Ils ont genre des peintures spéciales pour ça. On était comme, ok, apparemment qu'on est pas si original, mais on n'a pas acheté la peinture qui sert à faire cet effet-là spécifiquement parce que ça coûte cher. Fait que là on s'est dit on va le faire homemade, puis c'est là où est-ce que c'est, je sais pas, on prend ça une chance. Fan dans ça là. C'est ça va mais coûter moins cher, mais ça se peut que ça nous fasse sacrer plus. La couleur qu'on va utiliser, c'est un genre de bleu. T'as-tu le petit papier? Non, j'ai pas de petit papier, mais un peu. On va l'ouvrir. Ouais. Le moment de la vérité. Ouh. Est-ce que je peux le brasser? Ouh, c'est thick. On aurait dit du yogourt genre 28%. C'est une belle couleur, yes. Baby. Aussi, il faut qu'on parte travailler dans 1h30. Fait qu'on a 1h30 pour faire notre première couche de peinture. On a acheté des petits plastiques comme ça. Parce que dans le fond, le but, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre pinceau. Puis il y a la moitié du pinceau qu'on va tremper dans cette couleur. Et l'autre moitié qu'on va tremper dans du blanc. Puis on va faire des coups de pinceau avec les deux couleurs. Puis c'est censé genre donner l'effet qu'on recherche. Oui! Veux-tu commencer en premier, babe, ou tu veux que j'essaye? On va try first! Ok. Et après, je vais voir le pinceau. Bon, tout là, est ok. Il faut aller dans des brass motions, là. Ouais, mais je pense que tu le fais trop bien, babe. Non, non, mais genre, tes mouvements sont trop longs, là. Pis trop, trop parfaits. Fait que c'est pas bon ou c'est bon? Non! Mais non, parce que tu fais des X. Passe-moi ça. Fait qu'il faut faire quoi? Ben, je sais pas. J'ai voulu, genre, faire du n'importe quoi, genre. Ah, madame, okay, mais c'est plus comme ça que, genre... C'est que tu peux filmer ton côté. Ou est-ce que c'est trop parfait, tu comprends? Ok, so we need to make it a mess? Ouais, c'est ça. Pour que c'est okay. Que... Pas besoin d'aller trop vite aussi. Non, mais c'est parce que si tu y vas plus lentement, tu y penses trop. Faut faire genre... Clairement, je suis une experte, là. Je sais tellement de quoi que je parle. De plus... C'est parce que sinon, je regarde trop puis j'essaye de faire ça parfait. Ok, mais je pense que ça va être cool, là. Ouais, mais check-moi la perfection. Mais non, mais c'est ça, c'est plus beau. Contre le weather à Québec, ici. Mais ça, c'est plus beau. C'est ça qu'on recherche, là. Ok. Non? Ok, well, we can work through it. Bon, on a deux pinceaux, fait qu'on peut... Vas-y, let's go! Oh, babe! As-tu vu ce que t'as fait? T'as splashé partout. Je sais honnêtement pas si ça va donner l'effet qu'on recherche, là. En tout cas, moi, je t'aime de peinturer mon côté de chambre, ça, c'est là que tu dors. Fait qu'on aurait chacun notre moitié. Avec de l'or abstrait. Mais ça va bien pareil. Ça commence à avoir un petit peu d'effet. Oui, hein. Donc moi, je suis contente parce que j'ai l'impression que si ça avait été pour pas fonctionner, on aurait vu tout de suite qu'on l'a pas pensé. Ouais. Parce que là, on regarde, on est comme, on peut, on y a de quoi à faire, ouais, tu sais. Exactement. Il faut que je fasse attention autour ici. Check, check ça comment c'est beau. Tu dis que mon côté est fucké. Allez, hein. Ça a pas tant pris de peinture que ça ici. Ah, de peinture, moi, je pensais d'être temps. Et de temps non plus. Ouais. Mais... Oh, ça commence déjà à sécher. Parce que là, ce côté-là, on a... Et là, comme vous pouvez voir, mon chum qui filme la scène, mais qui a pas vraiment cliqué sur play, ce qui arrive beaucoup trop souvent, j'essaie de pas me fâcher, mais genre... T'as paqué tout le blanc, c'est oh non! Oh my god! Ok, j'étais vraiment pas au courant que ça se passait, là. Ben là, c'est pas si grave. Mais non, c'est pas grave. C'est juste que t'as paqué tout le plancher, mais... Je me suis fait mal. Bon, on va te laver le pied, là. Bon, donc, petite pause de 5 minutes. Quelles sont tes impressions? Je l'aime full, là. I like the... T'aimes mon coin? Ouais, j'aime pas. Oh, ouais. On va le refaire tout comme ça, là, pour la deuxième couche, là. Bon, pour la... Comme la dernière fois, puis comparé à la dernière fois, là, je suis très, très, très propre, là. En tout cas, moi, je me suis pas mis le pied dans la peinture. Ça peut pas être une journée de peinture si je fais pas ça, honnêtement. Alright, okay. On a 30 minutes avant d'aller au resto. C'est le temps de faire la deuxième couche. Ouais. Ok, let's go. Puis je me dis, si mettons c'était pour pas faire à 100% l'effet qu'on recherche, on fait juste créer notre propre effet en ce moment. C'est ça, ouais.
Ok, on vient de revenir du travail. Et là, on va voir notre première réaction au mur. Ouh! Wow! Ok, c'est tellement marqué, genre. Yeah, je l'aime comme ça, moi. Oui? Ouais. Moi, j'aime ça. Moi, si t'es content, ouais, là, moi aussi, je suis bien contente de ne pas refaire une autre couche. On peut faire une autre couche. C'est clairement si pas l'effet qu'on recherchait. Mais moi, ce que j'aime, c'est que, tu sais, on avait une idée en tête, on s'est basé sur quelque chose. Mais en même temps, cette idée-là, genre, tout le monde va la faire et la fait déjà, genre. Fait que j'aime que ce soit différent, puis que ce soit notre mur. Moi, si t'es content avec ça, moi, je suis contente avec ça. Est-ce qu'on va chercher notre lit demain? Ben oui, let's go! Let's fucking go! Hey yes, on a fait ça en une journée, babe! Yeah, good job! Ok, ok! On est en chemin vers... IKEA! Le IKEA, on va aller chercher notre lit. C'est un des premiers trucs qu'on a vu quand on est allé au IKEA pour la première fois. On était comme, ouh, une base de lit! Puis moi, je suis pas nécessairement en amour avec, mais c'est une base de lit super utile. Vous allez voir quand on vous la montre. Fait que je pense que c'est sur le point premier. On va pour plus pour l'utilité qu'un truc qui est beaucoup plus beau pour avoir plus d'espace dans notre chambre. Exactement. Ok, donc on vient de rentrer dans le IKEA et là on vient de spotter ce mini banc tellement chou. Puis effectivement, ça serait cute comme bedside table, mais en plus gros là, parce que là ça c'est vraiment petit. Ça c'est enfant style là, mais... Ouais, mais moi je suis down, ça fit très. À la recherche de ça. Ok, on arrive dans la catégorie banc. Oh! 130$! Mets la dent à terre pour il voir. Est gros. Il est beaucoup plus gros là. Je vais voir si... Ça se lève pas. Oh, ok, il est attaché. Il est attaché. Mais j'aime ça. Ouais. Mais là, faudrait qu'on voit le top là. Mais ça, c'est, je trouve ça cute depuis le début. Ça fait plein de fois qu'on vient. Mais c'est sûr que c'est un petit peu bizarre, mais notre lit est blanc. Ça, c'est plus une table à café. Mais non, c'est pas une table à café. Il y a le handle, ça serait dans le chemin. T'aimes pas ça, toi? Moi, j'aime pas le fait qu'il y a ça. Ok, bon, moving on. Louis pourrait fitter parfaitement par contre là. Babe, c'est la même affaire que je viens de te montrer. Mais là, tu veux... Moi, je suis encore down. Je le trouvais cute il y a deux secondes. C'est vrai que la couleur, c'est vraiment nice. Mais prends-en une photo. Puis... Ben, j'ai une vidéo. Non. Ok, on vient de trouver cette petite... En fait, c'est un banc, là, mais ça fonctionne comme table... C'est quoi? Table de chevet. Puis, il est à 60. Reste à savoir, parce que moi, je suis down for whatever. Ah, mais check, il y a celui-là à 25$. Allons le voir de plus près. Pourquoi qu'il les colle toutes? Mais par contre, check, ça en haut, mais si c'était à une autre couleur, si c'était dans notre couleur... Oh! Mais lui. Ah, mais c'est pas assez la bonne couleur. On peut le peinturer si on veut. Ah, la peinturer, c'est vrai qu'on a la peinture. Je dis pour ce prix-là, moi, je préfère l'eau plus. Là. Puis ça, tu préfères à la petite table que tu peux travailler. Ouais. Ok, ok, ok. On arrive à notre lit. Le voici, 15% de réduction. C'est bon, c'est bon. Ah oui, en fait, on a flashé dessus parce que c'est un des moins chers. Là. Fait que dans le fond, c'est vraiment pour du rangement là, qu'on aimerait ce lit. Là. Je pense que là, ça marcherait pas. On n'y trouverait pas, genre. Tu sais, même eux, ils viennent avec puis c'est la même hauteur. Aussi, ça marcherait pas trop avec des tablettes parce qu'il. Ah, faut ouvrir le truc. Fait qu'ils vont quand. On va rester flottant, je pense. Là. Smart. Ok, faut qu'on se fasse des tablettes flottantes. Là, on est dans les commodes parce que Imad, depuis toujours, il veut une petite commode pour mettre son linge. Sauf que là, l'affaire, c'est que là, on a du rangement dans le lit. Fait que c'est le débat. Est-ce qu'on achète une commode quand même? Puis ça prend de la place. Ok, on est rendu à prendre le lit. Premier morceau, secured. Oh, je t'ai filmé parce que tu poussais comme un cave. Puis la seconde, t'as l'air d'un vieux papy. Là, ce qui reste à voir, guys, c'est si ça va rentrer dans notre auto. Parce que là, on refait pas un épisode de genre nous qui échappe les bouts de lit, là. Ok, petit update. Tout allait bien, on est sur la route. Et là, on perd nos estis de morceaux. En plein milieu de l'intersection, tabarnak, il a fallu qu'on arrête l'auto, qu'on court en plein milieu de la rue les ramasser pendant qu'il y a des autos qui étaient arrêtées. Ah, avec nos autos tout à rentrer. Oh my god, on vient d'arriver à l'auto, on ouvre le coffre. Mon père nous a donné du riz pour le restaurant, mais obviously, on le savait pas. Fait que là, ça devient un petit peu plus intéressant de pacter tout ça. Bon, fait que je vais commencer à mettre le riz en dessous des bancs là, genre. Ok, monsieur muscle. Ok, mais ça va rentrer en fait, là. Ça fonctionne très bien, guys. Checkez-moi ça. Dernier morceau. Nice! Good job, baby! On est en chemin. Puis je suis triste parce que je vois pas mon chum. On est séparés par un lit. Hello! Hello! Moi, je fais son angle mort à droite. On est de retour. Faut juste qu'on fasse le ménage de la chambre. J'ai zéro envie, j'ai mal au cœur. Babe, peux-tu commencer à enlever le tape pendant que tu fais le ménage? Oui, merci. Oui! Pour voir à quel point c'est satisfaisant. Puis aussi, voir si ça l'a bavé. How satisfying! Non, never mind. C'est pas grave. Faut qu'on parte travailler dans une heure, fait qu'on va avancer le plus possible. Oh yeah! Encore? Là, tout d'un coup, là, pour la chose la plus anodine au monde, là, tu deviens le meilleur vidéographe. Oh! Yes! Perfect! Bon, moi, j'ai pensé faire ça pendant que tu fais le ménage. Ah, on a bien fait ça, là. Hop top. Oui!
Ok, donc on a tout descendu. Il est en ce moment 1h55. On n'a plus beaucoup de temps. Let's go! Ok, bon, je vais aller conduire la première fois, puis je vais avoir des directives quelque part. Mais je pense que c'est la première grosse boîte, c'est numéro 1 qu'il faut qu'on ouvre, celle qui est en bas. Ouais, on va commencer avec celle-là, puis après ça, on se décidera. Ok, je vois pas de papier de directive. Il n'y a pas de papier de directive dans la première. Bon, c'est le tour. Oh my god, c'est le pire ouvrir les boîtes ici. On voit pas les directives non plus. Vous avez une papier de directives pour nous dire comment trouver les directives. C'est vrai. Hey, si, c'est quoi ta tabarnak? Qu'est-ce qu'il y a pas de directives là? Ah! Les directives! Tabarnak, ça fait trois boîtes. En plus, c'est juste pour ça, you know, là, c'est la première boîte que je voulais ouvrir. Ok, donc ça, c'est nous, bébé. Tata! Ah, est-ce que ça va être la hesse personnelle là? Je le sens. Même pas commencé puis j'ai l'air fini. C'est tellement stupide. T'as les vis pour visser? Non, mais t'as les vis pour la boîte numéro 1, la boîte numéro 2, puis la boîte numéro 3. Tout dans la boîte 3, plus les directives. À la place de laisser chaque morceau tout seul puis continuer comme ça, non. T'as vu que le premier... Ouch! Le premier truc, c'est de ne pas être seul, c'est de le faire à deux. Fait qu'on est good. Ça va être un test de patience, celui. Il est 2h22. Est-ce que je peux voir qu'on a été assez délusionnel pour penser qu'on allait finir le lit avant de travailler? Ça, c'est le moment de la vérité. C'est quel gros morceau qu'il faut que j'imagine? Donc, ils ont tous l'air de la même crise d'affaires. Et là, là, ça commence à faire du sens, les amis. Ok, oh. We have something to play with. Baby, je viens de nous. On est resté calme. 30 minutes ici. Ok, fait que ça, c'est in. Est-ce qu'on a checké pour une fois que c'était pas le bon moment, le bon qu'on a pris? Oh non, on n'a pas pris les bons bébés. Et pouvez-vous croire que ce que j'avais dit qui allait prendre 2 secondes nous a pris 13 minutes? 13 minutes, Esti. Allez, vous comptez pas, je vais vous faire une carte. Bon, on va travailler à tout ça. On ne fait absolument aucun progrès. Ça fait 49 minutes qu'on filme. What the fuck? Bon, on est de retour. Allô? Je suis fucking fatiguée. Même journée, on est ici. On va essayer de finir ce soir. Ben, on va commencer ici. On va commencer puis on veut dormir ici. Ton manteau fait tellement avec notre mur, bébé. Donc. Je suis une extension du mur. On était à étape -0.5. Ouais. Donc, on fait ça comme du bon bébé. Ah. Let's go. Mais t'as plus sûr, faut les ressortir parce qu'ils sont trop rentrés, bébé. Alors, that's the spirit. C'est pas une bonne idée de s'en foutre. Mais c'est pas grave. Vas-y. C'est pas une bonne idée de s'en foutre, mais on s'en garde. Bon, on est de retour, où est-ce qu'on était tantôt? Ouch! Ok, on touche plus à rien. Prochaine étape. Pendant le moment que je me dis, là, je suis en train de filmer, tu crois que je regarde la caméra? Pas une bonne idée. Bon, ben gars, je peux pas filmer pour vous, je suis pas capable. Ok. Ça avance bien. Est-ce que vous voyez, là, on a commencé à avoir la base, là. Prochaine étape. Baby? Ouais. Je pense qu'on l'a mis dans le mauvais côté. Parce que je pense que ça, c'est censé aller par là. Mais non, on peut pas le faire sur l'autre côté, bébé. Ben oui, comme ça. Ok. Oh mon dieu, je l'ai remis à l'envers. Tu me niaises-tu? Non, oui, je te niaise. Hey. Oui, je te niaise. Aïe, oui. Hey, j'allais prendre une crise cardiaque, si ça n'a pas de sens. Ok! Encore une fois, la prise de vue qui fait aucun fucking sens pour ce qu'on fait. Mais ça commence à avoir du sens. Ben oui! Ok, fait que là, on refait ce bout-là. Ça va très bien, babe, ça va très bien. Fait qu'on change de cette prise de vue pour vous autres encore une fois. Là, vous allez voir nos culs pour le moment. Ça se voit qu'on a le cul si bas. Oh! Bon, laissez faire. Ta main est devant, babe. Le monde qui dit que c'est facile de faire des meubles IKEA, là. Ça, c'est les psychopathes. Bon, babe, je pense pas que la prise de vue va le faire. Ah! Pour avoir une idée plus claire, on est passé de 0 à ça. Ça va très bien. Ouais, ça va super bien, là. Nous qui pensions faire ça dans une heure, style. On était délusionnels. Délusionnels. Moi, en français, delusional. Delulu, comme les Gen Z disent. Bon, fait qu'on a mis toutes ces patentes-là aussi. Tchik-tchik-tchik-pam-pam. Pif-paf-pouf dans le pantoufle. Pif-paf-poum-poum. Là, je te fais juste dire des trucs ici. On a même pas assez ça qu'il faut faire en ce moment. Comme on a fait tout ça, elle passe pour moi, ce morceau. Moi, je skip les pages, j'en avais pas. On a fait ça. Hey, to be fair, mais les morceaux ont toutes l'air pareilles. Hein? Ça, c'est vrai. Il devrait avoir
morceau 1. Des stickers, ici. Ça aurait été plus facile, ici. À la place de mettre 45 000 morceaux, aucune description. Bon, ben là, ça commence à être difficile à filmer, mon amour. Penses-tu que c'est pas déjà difficile? On filme tout rush. Là, il faut les gros morceaux. Les gros dans le trou. C'est comment mettre dans le trou, vas-y. C'est combien? De chaque part. Ok. Ça, c'est bon, on fait la même chose de l'autre côté. Oh! À chaque fois, quand on filme quelque chose par en bas, la caméra est en haut. Quand on filme quelque chose en haut, la caméra est en bas. Il y a que ça, moi, de rentrer. Mais là, moi, oublie ça ici, là. Je sais pas comment ça. Mais ça, on peut les rentrer plus. Oui, mais c'est pas ça, c'est ça. Ok, là, notre dilemme, c'est que c'est rentré de ce bord-ci. Parfait. Aucun problème, ici ça s'aligne presque. Mais ici, faut non seulement que ça ce soit assez loin pour être rentré, mais en plus, faut que. En fait, juste le forcer. Mais non, ouais, c'est impossible. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dévisser ici, puis ici, puis on va le tirer. Oh my god. Mais là, pourquoi qu'ils nous ont pas dit de le mettre après? C'est sûr qu'il y a une façon de le faire, bébé, parce que. Oh, mais non, effectivement, ils n'y ont pas encore mis l'autre côté ici. Ah, le côté qu'on a mis? Ouais. Pourquoi il dit à chaque fois qu'on pense qu'on est good ici, pourquoi on est pas good. Les deux côtés, mais. Vite fait, espérons bien fait. La deuxième fois, c'est toujours facile. Honnêtement, c'est cocasse, là. On va se le dire. Poche. Là, on va checker le plan étape par étape pour qu'on ne fasse pas. Checkez-moi ça, la magie. Ok, shit, let's go. C'est tellement satisfaisant. Ouais. Alrighty then. Good job. Ok, donc. On a fait ça. On a fait tout ça. Ça, c'est bon. Pif par pouce. Flip des chibites. On est bon, babe. Oh. On est bon, on est calme. Est-ce que ça me fait chier? Mais oui, on est calme. Ça m'aurait fait chier, genre, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Parce que le premier lit que j'ai eu au Canada. Il y a 2 ans, c'est avant qu'on se rencontre. Fait que là, dans le fond, tu as une mesure que je t'apporte de la calme, de la sérénitude, de l'amour et de l'eau fraîche. Exactement. Mais le premier lit que j'ai monté dans ma vie, je l'ai monté tout seul, puis c'était un lit avec elle, puis c'était beaucoup plus facile que ça, ici, là. Dis-toi, quand on déménage ici, on ramène pas ce lit avec nous, ça. Mais oui! Hey, on n'achète pas pour un an. Hein? Non, non, non. Ah, checkons le plan avant de mettre l'autre truc, puis de s'emballer. Je vois qu'il faut mettre l'autre truc ici. Oui, effectivement. Bon, mais on est prêts. On sait comment. On l'a déjà fait. On a de la pratique. Hey, t'as-tu remarqué quelque chose? Hey, what the fuck, ici? Hey, une chance que tu portais des souliers. Sinon, t'aurais pu te. Hey, pas les pieds. Hey, moi, je porte pas de souliers. Va mettre des souliers, bébé. Tabarnak. Va mettre des souliers. Non, mais moi, je suis pas carefree, careless comme toi, là. Je suis tellement. Tu l'as ici? Non! Babe, c'est méchant. Mais non, mais laisse-le pas de même. C'est qui parle? Madame qui t'a mis les pieds dans la peinture. Laisse ici. C'est pas la madame qui est careless, là. Bon, je suis gâteau. Non! Quoi? Ok, c'est bon. Ah, c'est parfait, ça rentre bien. Bon, on continue. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait pif par pouf. Mettre le lit. De pas mettre le lit, ok? Il y a un petit gros morceau. Là, babe, on prend pas ton morceau, là. À la caméra. Anyway, j'ai un gros morceau en métal. On sait que c'est dur, babe. T'as pas besoin. Ok, fait que là, on le met. On va faire ce côté-là. J'ai cité la caméra pour qu'on fasse le bas. T'as raison. C'est ça que tu veux que je te dise. Moi, depuis tantôt, je te fais tout mettre à l'envers. Puis après ça, on y retourne. Puis ça va full bien. Pas ce qui fait de tradition, là. Je peux-tu avoir le petit banc? Il est dans ma chambre, ma vie, va le chercher. Tu veux que j'aille le chercher, hein? S'il te plaît. Yes, my king! Oui! Notre petit temps de filmage, guys! Oh, il est magnifique! Tu fais très bien ça, René. Wow! Est-ce que tu as vu cette pièce? Moi, elle s'en va. C'est ma petite boîte. Attention! Pour une fois, la caméra a filmé ça. Incroyable! Ok? Oh, ça m'a vraiment fait mal! Ça va me donner mal à la tête. Ça va mal, j'ai envie de vomir. Ok, juste donne-moi des directives, moi je vais. Le lit est tellement haut! C'est pas pour ça que. Ok, je fais. Fait que là, tu mets le bâton de bizarre par en bas. Ouais, je sais. Pourquoi je sais? Ben lui, il va aller comme ça. Par en bas? Par en bas. Genre de le bâton de bizarre par en bas. Ah, ok, de même. Et après ça, il dit je sais. Ah, ils ont vraiment pas mis une seule vis en trop. Ils veulent que genre tu fuck puis que tu sois obligé d'aller acheter un paquet de 28 000 après ça. Là. Aïe, aïe. T'es sûr que c'est le bon vis? Babe, ça fait 20 fois que je te dis non, je le sais pas. Oh, babe, stop. Est-ce qu'on a câblé en bas? On est presque fini, babe? Ben, il va falloir monter toutes les. Les armoires, là.
pas les armoires, mais les tiroirs individuellement. Là. Oh, oui, mais la base de lit, clairement, bien définie. On va effectivement très bien dormir après cette journée. Donc, voici le lit. C'est une prise de vue qui fait du sens, finalement. Moi, j'ai une question. Parce que là, on est rendu au Big Dick Boy, là. Uh-huh. Sauf que dans la photo, c'est comme si ici, s'élargissait. Ouais. Ah, il s'élargit aussi. Je pensais qu'on avait oublié d'acheter une partie, j'étais le fuck. Bon, ça fait dans le fond, la grosse partie, la plus grosse, c'est à la base. Fait que là, on rentre. C'est bon, j'ai même plus de faire. On vient de faire un trou dans notre mur peinturé. Ok, on touche plus à rien. C'est pas de quoi je parle. Par exemple, ça te pièce. Il aurait pu nous faire mettre la main. Non, ça aurait pu devenir déjà monté comme ça de même. Effectivement. On est en train de faire des trucs pour rien. Fallait juste, tu mets cette pièce déjà montée, cette pièce déjà montée, puis d'ailleurs, ça va prendre 6 étapes après ça. Et si, j'achèterai tous mes meubles de Ikea après ça, est-ce que... Mais c'est quoi? Ils achètent quand même toutes leurs meubles de l'eau. Fait que ça, ils ont calé. Alors, fais moins de travail à eux. You, le plan. Ok. Bon, t'as bien. You, le site plan, t'as bien. Ah, Mac. Aïe! Oh, ça va être très tracté. Mon doigt. Bouge ton doigt. C'est calé. C'est ma face. Clairement, où est-ce qu'on a échappé tous les chiens? Il y a une vis là-bas. Prochaine étape, il est où le site? De plat. C'est le bout de bois, je pense. Ok, fait qu'on ouvre ça. Oui, vraiment. Oh, ouais. Tu as un dessus? Ça commence ici. Ça serait qu'on l'a mis du bon côté. De toute façon, ce serait pas nous si on l'avait mis du bon côté la première fois. Donc, dans cette vidéo, vous allez avoir et le tutoriel de comment faire le lit en même temps que comment le défaire. Pour chaque pièce, effectivement que les plaques sont bombées. Il y a un but à tout ça. Good job, baby. Parfois, tu fais du sens. Bon, là, maintenant, il faut juste qu'on monte les 4 tiroirs. OK. Donc, on a décidé qu'on montait dans le salon parce qu'on a plus de place. On va écouter Friends pendant qu'on monte les tiroirs, puis il nous restera juste à les descendre. Fait que, on vous voit une fois que c'est fini. OK, on a fait un panneau. Ils sont énormes, by the way. Ça a pris un épisode. Un épisode complet. Puis, on a fait une petite erreur. Avant, on a mis la base pas du bon côté. Fait que techniquement, l'autre côté est blanc. Mm-hmm. Fait que... Mais c'est pas grave. Ça, on a décidé de give up. C'est ça. Bon, j'ai battu pour le dire. Ah ben oui, pourquoi pas? Oui, c'est vrai, il faut se faire de la place. Là, on va pouvoir voir si toutes nos roulettes sont du bon bord. C'est vrai qu'on est mieux de le savoir là qu'après en avoir fait 4. Elles sont énormes. Fait que c'est ça, tu sais, c'était pas nécessairement... On a vu d'autres lits. En fait, on a vu un lit qui était qu'on trouvait plus beau, qui était un prix similaire. Mais le rangement, c'est qu'on n'a pas tant de rangement ici. Fait que ça faisait juste du sens de prendre ça. Es-tu correct? Moi, je t'aide pas pantoute, je fais juste filmer. Attention à tes pieds, OK? Et ça roule! Oh, ça roule-tu? Le bruit! Fait que dans le fond, on vient de se rendre compte que ici, c'est bien placé parce que la roulette est dans le bas. Mais ici, on l'a mis à l'envers. Puis ici aussi, là, on l'a mis du bon côté. Phew! Puis l'autre bord, là, c'est nous. Fuck! C'est pas grave parce que là, on le remet déjà. De quoi, c'est pas grave? Faut qu'on enlève tout? Ok, on peut juste enlever le top puis le refaire. Juste amène-moi le moine, vous plaît. Ok, let's go. Honnêtement, là, ce que je retiens de notre expérience, c'est que à peu près tout ce qu'on aurait pu mettre à l'envers, on l'a mis à l'envers. C'est fucking ridicule. Ok, prise 100 millions 98. On vient de tout revirer de bord. Puis bib, on n'a même pas pris les mesures de notre chambre. Puis je me rends compte que hey, c'est fucking large. Comme quand les panneaux sont ouverts, là. Oh oui, là, ça roule pour vrai. Ouvre-le puis ferme-le, qu'on ait la preuve que ça fonctionne. Oui! OK, ben il nous reste 3 tiroirs à monter. Let's go. Ben là, j'espère que ça nous prendra clairement moins de temps. Hein. Pas 3 épisodes de plus. Oh, des chips! Non, c'est tout ce qu'il faut faire, là. Ouais. On a fini la 4e tiroir. Le premier tiroir, on l'a fait en un épisode. Les 2 autres, on les a faites en le même épisode. Puis celle-là, on l'a fait en genre 7 minutes. Fait que, hop, là. Très fière de nous. Allons mettre ça, babe. On met le matelas dessus. Pif, paf, pouf. Dans non, la pantoufle. Oh, yeah. Hey, ça va être tellement plus de rangement. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Nice! Babe! On a fini de monter le lit. Woo! Avec notre mur. Puis là, c'est le temps de mettre le matelas puis de voir qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce que t'en penses? C'est-tu confortable? Ouais, ah.
Je vais essayer de pas tomber du lit cette nuit. Ok, là, j'ai un estime mal de tête, je suis fatiguée. Fait que je pense que c'est le temps de finir la vidéo ici. Ouais. Clairement, on va continuer à décorer la chambre. Puis là, en ce moment, quand vous écoutez ça, on est mardi. Mais nous, en ce moment, ici présent, on est dimanche soir. Fait que dans le fond, ça me donne une semaine pour décorer la chambre si je veux poster mardi prochain. Je pense qu'on peut. Fait que je pense que c'est possible, mais il faut qu'on se motive. Oh, ma tête va exploser. Sur ça, je vous aime fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye.